Salut, c'est Bronzol, c'est juste pour une petite information avant de commencer la vidéo. C'est juste que comme vous voyez, la cam elle est dégueulasse. J'arrive pas à en trouver une autre, j'arrive pas à la régler, j'arrive pas à la mettre correctement. Je suis en train de tout modifier, de mettre tous les paramètres, j'arrive pas. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que la caméra sera peut-être un petit peu dégueulasse. Mais voilà, donc sera juste un petit peu dégueulasse, donc je suis désolé par avance. Mais en tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Yolo les potos, c'est Bronzor, est-ce que je vous ai manqué? D'accord, je vous ai pas manqué, tant pis. Mais est-ce que vous voulez que je vous présente une nouvelle vidéo? No, God, please, no, no! Bon, je vous d'accord, ce sera pas du game, ce sera pas du MLP, mais c'est plutôt une vidéo de présentation. Une vidéo de présentation qui est le royaume de Geo. Je crois que ça s'appelle comme ça. On me confirmera ça. Qui est une chaîne en fait de deux créateurs, de deux dessinateurs en fait, qui s'amusent à faire des animations et ils ont prévu de faire des vidéos, des épisodes. J'ai vu que quelques-unes vidéos et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai pris contact déjà avec une de l'équipe et elle m'a fait découvrir ça. Et honnêtement, franchement, je félicite les deux, parce que je crois qu'ils sont deux, enfin ils sont que deux, enfin en tout cas il me semble, je sais pas s'il y en a d'autres. Mais donc du coup, je félicite quand même pour les animations. Mais bon, assez parlé, je vais vous présenter cette petite chaîne qui est pas bon, pas un grand truc grandiose, mais du moins une petite vidéo de présentation. Donc on va mettre le casque, hop, voilà. Et je vais vous présenter donc le trailer des épisodes, le trailer du Royaume de Geo. Voilà, donc nous nous retrouvons sur la petite vidéo. Alors 2 minutes, juste je regarde un petit truc. Voilà quand même que ma tête, elle bouge un peu. Très bien. Comme je vous avais dit tout à l'heure que bah, ma caméra elle est un peu dégueulasse. Donc c'est parti, voici le trailer. Je vais vous laisser, je vais regarder ça avec vous. C'est parti. La grande jungle a toujours été gouvernée par notre famille. Nous, les lions, étions les seuls capables de faire face aux terribles créatures qui hantaient le reste de nous. C'est beau. Franchement, c'est super bien animé. Le royaume de Geo. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un dessin animé qui est basé sur les terres des lions, d'après ce que j'ai compris du moins, et ils sont envahis par des espèces d'oiseaux à une patte avec des cornes sur le bec. C'est assez amusant. Vous avez vu, c'est assez intéressant. Ils font de la 2D et ils font de la 3D aussi. Ce qui est en fait très intéressant, parce que le concept, c'est que c'est pas facile. Ça demande du travail énorme. Franchement, je les respecte pour ça. Donc, on va aller voir une autre petite présentation. Donc, ah bah voilà. La vidéo de présentation, comme j'avais vu tout à l'heure, je voulais la présenter. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo de présentation du royaume de Geo. J'ai déjà regardé cette vidéo et que je trouve très bien expliquée. C'est parti. Non, c'est vrai qu'au départ, le royaume de Geo, c'est une petite histoire, un tout petit projet avec juste des lions et des singes sur une île. Oui, c'est vrai. Au début, c'était juste des petits dessins, des petites esquisses. On dessinait les aventures de nos personnages. Ah, bien sûr, on rêvait d'en faire quelque chose, un livre ou une BD. C'est fou parce que c'est comme ça que naissent vraiment les grands projets et ça, c'est énorme. Bon, moi, je reste à l'écriture, mais bon, c'est mieux. En même temps, je suis tout seul, quoi. J'ai pas d'amis plus tard. Reprenons. Ou encore mieux, un film d'animation. Et un jour, on a décidé que ce rêve deviendrait réalité. Putain, que c'est beau! Mais que c'est beau! Mais c'est beau. Et moi, c'est lion, c'est petit lion. Mais c'est super bien fait. Oh là 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 là. Aujourd'hui, nous vous dévoilons enfin le grand projet du Royaume de Geo. Après plus d'un an de travail dans l'ombre, rédaction du scénario, storyboard, recherche du style graphique,
études des personnages, enregistrement des voix. Nous sommes fiers de vous présenter le projet de notre rêve, réaliser le film d'animation Le Royaume de Jiro. L'ensemble du projet, de A à Z, est réalisé par une équipe d'amateurs passionnés et motivés. Oh pétard, c'est vrai que c'est beau quand même. Venez découvrir avec nous le monde de Jiro ainsi que l'univers du dessin animé depuis les premières esquisses jusqu'à l'animation finale. Je pense qu'on est parti pour une grande aventure. Honnêtement, après quelque chose comme ça, comment vous ne voulez pas? Après ça, mais j'ai vu ça, je me suis dit, mais je vais les suivre personnellement. C'est des gens qui sont passionnés, qui méritent de faire un vrai truc, qui sont même prêts à faire vraiment quelque chose de vrai. Deux bons réalisateurs, deux bons dessinateurs. C'est vraiment magnifique et franchement, honnêtement, je les suivrai. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais bien vous présenter cette chaîne, parce qu'elle mérite le coup d'œil. En ce moment, elle n'a que 38 abonnés, avec moi évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi si vous aimez bien l'animation. D'après ce que j'ai vu, c'est un peu un dessin animé assez dramatique, assez fantastique. Et là, en ce moment, ce que j'ai vu, c'est que ils sont... Enfin, de ce qu'on m'a dit, de madame, mademoiselle, la réalisatrice, c'est qu'ils sont en train, en fait, de faire des castings pour les voix des animaux. Ça m'aurait pas déplu de le faire aussi. Le problème, c'est que de pouvoir m'inscrire aussi pour aller participer aux voix. Malheureusement, j'ai peur que je n'aurai pas vraiment de temps. Et c'est ça qui me déçoit énormément. Mais je crois que j'aurais bien voulu participer aux voix. Enfin bref. En tout cas, premier épisode, je ne vais pas le regarder avec vous. Si vous voulez le regarder, vous n'avez qu'à aller sur leur chaîne. Le lien est là et dans la description. Vous irez la voir. Ou même, je mettrai même en plus la chaîne directement. Et vous allez voir ça par vous-même. Et je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'elle est vraiment très intéressante et ça les encouragerait vraiment, ça leur donnerait encore plus de motivation, encore plus d'espoir, et donc du coup je suis sûr qu'ils pourront aller très très loin. Ce sont quand même si ce sont des amateurs, je pense que même dans leur projet ils pourront aller très très loin, et franchement ils se débrouillent déjà très très bien. Voilà, donc ça c'est la présentation du Royaume de Jiro. Que dire de plus? Si ça vous intéresserait, ou si ça vous intéresse ou quoi, de pouvoir participer ou quoi, ils ont une page Facebook. Voilà. Une page dont ils présentent un peu leurs dessins, leur modélisation. Et certains dessins donc par rapport à des scènes, on va dire. N'hésitez pas à aller donc sur leur page Facebook. Le lien aussi sera donc dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse vraiment, soutenez-les. Le projet est assez. Le projet est très intéressant. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils deviendront des réalisateurs de grands dessins animés, de grands films. Et c'est comme ça que tout réalisateur commence. Ce sont des amateurs pour l'instant. Ceci étant dit, je vous laisse mes petits poneys et mes petits humains aussi. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Du coup, je réfléchirai à une vidéo que je pourrais faire. Je sais pas encore quoi vraiment, mais je suis pas contre des conseils ou même si vous avez des idées. Voilà. Donc écoutez, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous voyez la vidéo. A plus. Ciao.